l'homme tomba en Éden, ils furent privés de la grâce de Dieu. Nuit et jour, ils se lamentaient, criaient, pleuraient, regrettaient cette communion avec Dieu. Oh, car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoyait Jésus-Christ afin que la vie éternelle soit donnée à tous ceux qui croiraient en lui. Car il est l'agneau auquel Abel pensait quand il avait vu la semence promise de la femme. C'est lui l'agneau que Daniel avait vu, qui s'était détaché de la montagne sans le secours d'aucune main. C'est lui la roue dans la roue où les prophètes, tout ce qu'ils avaient vu d'avance, s'est réalisé. Ce jour-là au calvaire, à Jésus, Jésus brisa le règne de Satan. Aussi longtemps que nous marchons selon l'Esprit, conduit par la main de Dieu, peu importe si cela semble aller mal, toutefois nous faisons face au calvaire. Aussi longtemps que nous marchons selon l'Esprit, à Jésus, conduit par la main de Dieu. Peu importe si cela semble aller mal, toutefois nous faisons face au calvaire. Autrefois l'homme était sous le sang des boucs et des taureaux, et ce sang ne pouvait pas nous donner l'accès dans la présence de Dieu. Car à cause du péché de l'Éden, l'homme et Dieu furent séparés par un voile. Quand Jésus était à la croix, le voile fut déchiré. Et le voile déchiré ramène l'homme dans la présence de Dieu, sans aucune espèce de péché sur lui. Oh, aussi longtemps que nous marchons selon l'Esprit, conduit par la main de Dieu. Peu importe si cela semble aller mal, toutefois nous faisons face au calvaire. Il parlera. Eh oui, il parlera.